Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un face-à-face. Ben, j'avais envie de faire un petit blabla. Comme vous savez, c'est l'été, on est en vacances, donc j'ai pas forcément envie de faire des vidéos et j'ai pas forcément envie de faire du strap, même si j'adore ça, mais l'été il fait quand même assez chaud. Là actuellement, il fait 38 à l'ombre. Alors, on est en canicule, mais ça va. Bon, après, c'est comme beaucoup de départements dans la France. Franchement, ça va. Bon, là, j'ai la casquette et le t-shirt. Mais normalement, je suis en boxeur. Hein, voilà. Bien évidemment, je ne vais pas vivre habillé alors qu'il fait chaud. Il faut juste s'adapter. Mais bon, voilà. Donc, en fait, j'ai envie de faire une petite vidéo. Donc, déjà, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. On profite beaucoup du soleil, on a bien bronzé, on profite de la piscine, on profite de la famille et des amis. Donc on a fait quelques repas à la maison et ça va encore continuer et ça fait du bien. Au moins tout le monde profite de la piscine et tout le monde profite de manger et de profiter ensemble. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Voilà, il a pas fait, enfin il a fait beau, mais je trouve pas, en tout cas pour ma part. Je trouve pas que c'est un super été. Oui, beaucoup vont me dire oui, mais quand il fait chaud, oui. Sauf qu'en fait, l'été, il fait chaud, c'est l'été. Donc ça va un peu avec. C'est comme si en hiver, il faisait pas du tout froid. C'est voilà, c'est pas normal. Donc il faut qu'il fasse chaud et qu'on soit en canicule. C'est l'été, c'est logique, si je peux dire. Voilà. Donc on est allé au Puy du Fou avec Sébastien ainsi que ma maman. On a passé 3 jours et 3 nuits là-bas. La veille, on est allé, là je peux le dire parce qu'on n'y est plus. La veille, on est allé à Saint-Hilaire-la-Palude, juste en face de la maison d'hôte où on était. Il y avait une église qui a subi justement à cause du séisme, des tremblements de terre. Et donc en fait, le toit avait été abîmé et d'ailleurs même à la maison d'hôte, leur cheminée avait été complètement abîmé et autre chose. Bon, en tout cas, Saint-Hilaire-la-Palude, c'était super sympa. C'était une ancienne grange qu'ils ont remis en gîte, en maison d'hôte plutôt. Donc, c'était très bien, c'était vraiment très joli. On a mangé juste en face. Alors là, c'est compliqué pour moi, je n'arrive pas à le dire, je ne sais pas pourquoi, mais je bloque sur ce mot. Donc, on a mangé juste en face du marais de Marie Potvin. Marais Potvin, pourquoi Marais? Les marais Potvin, Beaudevin, bon, un truc comme ça, vous avez compris. Donc voilà, donc ça c'était super mignon. Le Puy du Fou, franchement, c'était. Comment je peux dire ça? C'était extraordinaire. Sincèrement, pour le comprendre, il faut y aller. Nous on avait pris l'hôtel dans la cité nocturne, donc dans le Puy du Fou, pour un confort. Pour pas se taper à faire de la route le soir quand on a fini de marcher toute la journée et pour pas se taper le lendemain une demi-heure ou 1 heure de queue. Voilà, donc on a préféré dormir là-bas et franchement, si on y retourne et on va y retourner, on redormira également, encore une fois, à la cité nocturne. On a dormi à l'île de Clovis. Franchement, c'était super sympa. C'est des petites maisonnettes pour deux logements sur pilotis. Donc le matin, on avait plein de petits oiseaux, on avait des canards et on avait plein de carpe-coï. Je vais éternuer. Et à mes souhaits. Donc ça, c'était super sympa. Moi, dès le matin, on ouvrait pour aérer. Ben, d'un coup, on les voyait tous arriver. Bon, en même temps, on peut comprendre pourquoi. Donc ça, c'était vraiment super joli. La chambre, la salle de bain, les toilettes. Tout, non, c'était vraiment super mignon. Le petit déj, on l'avait, c'était compris dedans. Je sais pas si t'as compris ou pas. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'était super bon. Donc, on mangeait bien le matin pour justement ne pas manger, au moins manger le midi. Les spectacles, c'était extraordinaire, mais vraiment, on les a tous vus. Voilà, les mousquetaires, Richelieu, le bal des oiseaux fantômes, c'est magnifique. Les amoureux de Verdun, c'est magnifique. Le secret de la lance, la Cinécennie aussi qu'on a vue. Alors ça, la Cinécennie, on l'a vue le premier soir. Donc ça, c'était le samedi, quand on est arrivé au Puy du Fou le samedi. On est allé en voiture, ça c'était un peu fatigant.
Donc la Seine s'est née en fait le jour où on est arrivé, il pleuvait. Il ne pleuvait pas à torrent, mais il pleuvait quand même bien. Donc on avait des magnifiques kawés. D'ailleurs, si je pense à la fin, je vous mettrai quelques photos et je vous mettrai ma gueule avec le kawé magnifique de Amazon, parce que c'était beaucoup moins cher que celui du Puy du Fou. Bon, en même temps, on avait prévu, hein, ce qui est logique, on sait très bien qu'il y a une différence entre le sud, pas loin de Aix-en-Provence, et les Épices, qui est quand même pour moi, en tout cas, c'est le nord, hein, qu'on soit d'accord. On sait très bien que dans le sud, dès qu'on dépasse à Avignon, on dit que c'est le nord. La Seine-et-Sénie, ouais, en fait, il faisait très froid. Vraiment, il faisait super froid. Donc ça, c'était un peu chiant, mais bon, c'est pas la fin du monde, vraiment. En même temps, c'est bien d'avoir un peu froid aussi des fois. Donc c'était magnifique. On a aussi également fait, pour ceux et celles qui connaissent, le café de la Madelon. Donc en fait, c'est un repas où on est convié à un mariage d'époque. Donc c'était super sympa, à part le fait de... En fait, c'est quand même des rentables. Donc en fait, on mange avec des inconnus. Donc ça, c'est un peu spécial. Voilà, c'était sympa. C'était pas le meilleur truc que j'ai fait au Puy du Fou, mais c'était sympa. Il y en avait un que j'ai beaucoup aimé, enfin qu'on a tous les trois même beaucoup aimé. Si je dis pas de bêtises, c'est je ne sais plus. Alors non, on l'appelle l'assiette, mais c'est pas l'assiette. C'est qu'en fait, en fait c'est un spectacle immersif. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui demande à son grand-père, si je dis pas de bêtises, quel est le secret de cette assiette. Et en fait, il explique. Donc en fait, à des moments, on se croit vraiment dans la guerre, on se croit vraiment sur des bateaux, on se croit vraiment au pôle Nord. C'était vraiment magnifique, comme Les Amoureux de Verdun, c'est vraiment... c'est magnifique. Le nouveau spectacle, le Mime et l'Étoile, c'était super bien. Le dernier panache, ou le secret du... Ah ouais, en fait, voilà, c'est le dernier panache. Et l'autre, c'est le secret... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Le dernier panache, en fait, c'est les spectateurs qui bougent autour de la scène. Franchement, ça, c'était assez impressionnant. Voilà, les gens là-bas sont les salariés et bénévoles sont super gentils. On a mangé à un restaurant, ça c'était rigolo. En fait, je sais plus quel jour c'était. Oui, le dimanche. Le dimanche, on a visité le château de la Renaissance. Donc en fait, c'est le château. Voilà, on rentre, il y a une histoire, il y a des petits spectacles à l'intérieur. Quand on rentre, eh bien, il y a les chevaliers avec leur armure qui nous font une haie d'honneur. Franchement, c'était super sympa l'ambiance. Et après, il y avait une petite danse du roi et de la reine. Donc le roi et la reine, enfin, quelqu'un explique c'est le roi et la reine, donc ils nous parlent, ils font un discours, bienvenue chez nous, respectez le tapis, ne marchez pas sur le tapis, enfin des trucs voilà, pour rigoler, machin, machin. Et en fait, après, donc c'est fini, on passe. Et en fait, moi j'avais une banane, et dessus, il y a marqué la marque Nike. Donc moi je passe, elle me regarde, elle me dit mais quelle est cette étrange besace? Et donc je lui dis c'est une banane, vous rigolez, hein? Et elle me dit mais il y a marqué Nick. C'est quoi ça Nick? Et d'un coup je rigole et il y a le roi qui dit donc à sa femme la reine qui lui dit oui je crois que Nick veut dire victoire. Donc on a beaucoup rigolé, c'était vraiment très sympa. On a fait des photos aussi d'époque, donc ma mère, vu que c'était ma mère, donc c'était la grande reine, moi j'étais le roi, son fils, et Sébastien, il a été le chevalier qui est amoureux du roi. Donc franchement, les photos sont juste magnifiques, c'est juste un peu con parce que vous les verrez jamais, parce qu'on voit ma mère et on voit Sébastien, et ça ne regarde que moi. Donc franchement, les photos sont magnifiques, voilà, on va un fichier certes dans le bureau et il y en a une que j'aimerais vraiment bien mettre dans le salon. On va voir laquelle. Mais c'était vraiment super sympa, c'est magnifique. Moi, je suis pas du tout de base au Moyen Âge. En histoire, j'avais zéro, enfin j'avais zéro. J'avais pas une grande moyenne. Mon neveu Ayrton, si tu me regardes, lui est largement meilleur que moi en histoire. Mais c'était vraiment super sympa. J'ai adoré en fait le Moyen Âge, j'ai adoré tout ça.
Et comme on a dit avec Sébastien, ben dans 4 ans ou 5 ans, bon, dans 4 ans ou 5 ans, on y retournera. Parce que franchement, c'était merveilleux. Et là, tous les 2 ans, ils essayent de mettre un nouveau spectacle, pardon. Donc franchement, voilà. Donc on y retournera avec très grand plaisir. C'était exceptionnel. En plus, j'étais avec ma mère, donc c'est très bien. Et Sébastien, c'est très bien aussi. On était tous les trois ensemble, en famille. Donc franchement, je ne peux rien demander de plus. Voilà, sinon, ben, tout va bien. Là, moi, aujourd'hui, ben, j'ai envie, qu'on me donne l'envie, j'ai envie de faire, ben, de ranger un peu mon bureau parce que c'est le bordel. Demain, nous avons mes petits, entre guillemets, donc de mon côté, les neveux et nièces qui vont passer 2 jours à la maison et donc ils vont dormir dans le bureau. Donc, je vais faire un peu de place pour qu'ils puissent quand même bouger un peu, même s'ils sont petits, donc ça va. Et donc, je vais ranger un peu tout mon bordel. Je vais trier comme d'habitude. Peut-être que je mettrai sur Vinted ou pas, ou tant il n'y a rien du tout aussi que je vais mettre sur Vinted parce que je vais garder. Je ne sais pas. Donc voilà, donc on profite. On a encore toute la semaine prochaine de vacances. Donc franchement, c'est plutôt génial. Ça fait du bien de ne pas travailler. Et je vais être sincère, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Mais j'y pense pas que c'est dans. Ben moi, je reprends le mardi, donc ça fait 8 jours. Donc on a encore largement le temps. Voilà, sinon, ben. Ah oui, l'assurance est venue. Enfin, l'assurance, pas du tout. L'électricien, il est venu. Il nous a réparé le portail. C'est bon, le portail, il fonctionne. Et la prise dans l'abri du bois qui fonctionne. Il ne reste plus que le volet. Il n'avait pas pris la dernière fois. Le patron n'avait pas pris le modèle du moteur. Donc là, il a pris le nom et toutes les infos du moteur, du volet. Dans le bureau, ben dans la deuxième chambre hein, de base. Et en fait, après, ils vont le commander et il va venir. Donc, j'attends une semaine. Et dans une semaine, j'appelle pour savoir où ça en est. Mais franchement, il n'y a pas de raison. Donc, le mec, très sympa. Et Sébastien a eu l'envie de faire ce que j'ai eu envie de faire depuis 6 mois, mais que je n'avais pas le courage de faire. Donc, lui, il a eu le courage d'aller à la déchetterie, amener des transats complètement pétés, amener plein de Rava, que je n'arrive pas à le dire, Gravats. Je dis pas de conneries, bon, c'est pas grave, en même temps, je m'en fous un peu. Voilà, donc tout derrière où il y a Caroline, tout est débarrassé. Donc, bien évidemment, nous n'allons pas faire les travaux maintenant, donc de rajouter de la terre, de rajouter de l'herbe, etc., etc., maintenant, parce qu'il fait 40 degrés, voire plus, au soleil. Donc, on le fera l'année prochaine, quand elle se réveillera au mois d'avril. Au moins, elle va vraiment passer d'un enclos à 4 fois, et encore, je suis gentil, hein. Je pense qu'au moins 6-7 fois plus grand. Donc, ça, c'est génial. Elle aura toute la place. On va le planter si ça pousse, parce que franchement, cette année, j'ai galéré à faire pousser. Je lui ai mis plein de trèfles et tout, plein d'épices en lisse qu'elle mange. Ça ne pousse pas, ça meurt. Hein. Voilà. Donc, ou alors, ça ne pousse pas du tout. Mais je pense que c'est le soleil. Pourtant, elle est à l'ombre une bonne partie de la journée. Donc, ce n'est pas l'ombre qui fait, parce que quand même, j'ai planté ce qu'il faut par rapport à l'endroit où c'est. La terre, elle est bonne, parce que la terre de partout est bonne. Le potager, il donne très très bien. On a du pourpier. Et pour ceux et celles qui se connaissent un peu, quand tu as ça, ça veut dire que tu as une bonne terre aussi, entre autres. Mais bon, voilà. Donc, on va essayer de trouver d'autres solutions pour essayer de la pousser. Sinon, je mettrai dans des jardinières. On va voir. Mais je pense que de toute façon, si je me sens et je vais me sentir, il faut l'année prochaine, on fera le projet jardin de l'autre côté. Ben, en fait, j'aimerais bien retourner entièrement toute la terre, l'enrichir. Ça le fera du bien. Et voilà, je pense que ça le fera que du bien. Bon, on verra, on n'y est pas encore. Donc voilà, donc moi à la fin de la vidéo, je vais essayer, je vais dire essayer hein, de vous mettre quelques photos du Puy du Fou pour vous puissiez voir. Voilà, bon après je me suis acheté plein de choses, enfin, plein de choses. Je me suis acheté une poupée. Je sais pas pourquoi. C'est une poupée prince que j'ai trouvée prince chevalier. Que je trouvais trop jolie. Donc voilà, donc la prochaine fois, il y aura la princesse. Sébastien s'est acheté 2 peluches. Moi je me suis acheté un stylo, bien évidemment. Je me suis acheté quoi d'autre? Des cartes postales. Que je mettrai dans le futur album. Ça, c'est
Ce spectacle, c'est le deuxième qu'on a vu. Il est magnifique. Celui-là, malheureusement, alors c'est dans le parc, on n'a pas eu le temps. C'était, il y avait un parc où on pouvait, on a visité certains parcs, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'était le parc du monde imaginaire de La Fontaine qu'on n'a pas visité, mais je trouvais la carte juste magnifique. Voilà, après j'ai acheté plein de petits trucs, des souvenirs, des magnettes, et ce qui va avec, ça fait du bien de se faire le plaisir, c'est les vacances, il faut. Allez, moi je vais vous laisser, je vais me mettre à moitié à poil, parce que je commence à avoir chaud, et je vais tout ranger. Allez, je vous fais des bisous, à bisous, bisous!